Là? Passe-moi les clés de la voiture! Dans tes rêves! Passe-moi les clés de la voiture! Dans tes rêves! Donne-moi! Dans tes rêves! Que se passe-t-il ici? Maman, il a les clés de la voiture, il ne veut pas me les donner! Alors, qui a les clés de ma voiture? Papa! Je les ai! Ah, pourquoi tu veux conduire maintenant? Oui. Eh bien, aujourd'hui, tu m'emploieras comme ton chauffeur, jeune homme. Et demain, tu pourras conduire, ok? Ça marche? D'accord, on y va. Viens. Allons-y. On y va, les gars. Écoute, t'inquiète surtout pas, tu conduiras demain. Bon après-midi, monsieur. Comment tu vas? Nous sortons pour le dîner, ok? Prends soin de la Sans maison. Sans souci, monsieur. Passe une bonne journée, monsieur. Pas de problème. Voilà, Boubacar. Monsieur? N'oublie pas de dire à Salif de réparer la fuite, ok? D'accord, monsieur. Eh bien.
Oui. Aboubakar ? Oui, monsieur. Comment tu vas ? Prends soin de la voiture. Bien, monsieur. Oh, quelle journée. Oh, les enfants, sortez de la voiture. Allez, ma chérie. Allez. Elle est prête à dormir. Oh, mon Dieu. Allez, ma chérie. Quelle journée. Allez. Je pense qu'elle a sommeil. Oh. Chérie? Oui, mon amour, je suis sous la douche. Ça te dirait un verre? Oh, avec plaisir. D'accord. J'arrive dans un instant. D'accord. Oh. Ah. Kobe. Oui, maman. Que fais-tu encore là? Je regarde juste la télé. Allez, monte dans ta chambre et va te coucher. Moi, je n'ai pas sommeil, maman. Monte dans ta chambre, maintenant. Mais maman, je ne veux pas dormir. Allez, va te coucher. Y a-t-il un problème? Oh non, 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 tout va bien, je viens juste te recevoir, je viens te recevoir un appel important. Cherches-tu quelque chose? Oui, oui, je cherche mon carnet d'adresse, je n'aime pas ça. Honnêtement, je n'aime pas ça du tout, c'est très irritant. Ça c'est n'importe quoi. Je n'ai même pas pensé à ça. Tu te rends compte? Merci. C'est bon, chérie. Tu peux partir. C'est juste une négligence.
Bonjour, monsieur. Oh oui, bonjour. Je conduis ? Non, non, pas pour aujourd'hui. D'accord, monsieur. Au revoir. Bon après-midi, monsieur. Oui, j'étais ici l'autre jour et j'étais assis sur cette table là-bas. Et, s'il vous plaît, aurez-vous vu une carte sur la table, s'il vous plaît? Non, je ne l'ai pas vue. Vous savez, nous recevons beaucoup de clients. Peut-être que quelque part, peut-être que quelqu'un aurait dû la ramasser. Non, monsieur. Non. Non. D'accord. D'accord, c'est bon, merci. Une journée parfaite, j'aimerais que ça soit ainsi. Gay, t'as pas encore fini? J'arrive. Est-ce que tu vas bien? Oui. Juste une petite déception, mais voilà, c'est tout. Quel est le problème? Nous venons d'obtenir une licence pour développer la communication dans le Nord-Est. Okay. Mais il semble que je dois désormais soudoyer tout un groupe de sénateurs, tu te rends compte? Vraiment? Ouais. Alors, combien demande-t-il? 20 millions. Waouh. C'est beaucoup, et je peux très bien le faire, mais le truc c'est que... Les pots de vin ne sont pas bons pour les affaires. Le nouveau gouvernement arrive, ouvre leur cahier. Et dans leur journal de pots de vin, je pense que ce pays n'avancera pas du tout. Ça ne me tente pas vraiment. Alors ne paye pas. Je ne veux pas et c'est ça le problème. Je ne veux pas qu'un hic vienne surtout s'interférer dans mes affaires. Écoute, tu sais, je vais aller à l'étage, question de mieux réfléchir. Oui, Victor, comment tu vas? Oui. Tu veux que je vienne tout de suite? Ah, d'accord, j'arrive dans un instant. À tout de suite, chérie. C'est un très bon deal. Il suffit de racheter l'entreprise, changer la direction, et de pallier aux changements les plus importants, tu vois. Tu m'écoutes là, Kay? Oui. Racheter l'entreprise, okay. Et changer la direction. Quel est le véritable problème? Pourquoi cette inquiétude? Le pot de vin? Non. J'ai perdu le contact d'une très belle femme. Vois-tu, elle était tellement belle que je n'ai pas pu m'empêcher d'admirer son corps. Attends un instant. Tu veux dire que le corps d'une femme te ferait vraiment oublier une affaire juteuse comme celle que je te présente? Non. Écoute, je vais racheter cette entreprise, malgré les clauses qui vont avec. Mais je te dis que cette fille était adorable. Je lui ai donné ma carte de crédit. Ta carte de crédit? Pourquoi faire? Elle t'a arnaqué? Non, j'étais avec ma fille et mon fils. Ok. Et elle avec une amie. Je l'ai rencontrée, tu sais. Je me suis présenté. Je lui ai donné ma carte, tu sais, pour qu'elle puisse acheter absolument tout ce qu'elle voulait en échange de son numéro. Attends, elle te l'a donné? Oh oui. Et je l'ai perdu. Non. Je ne suis pas sûr que tu puisses faire une chose aussi stupide. Tu le peux? Eh bien, écoute, je voulais qu'elle soit ma maîtresse. Ah. Tu vois. Ok. Voici ce que je pense que tu devrais faire. Retourne dans ce restaurant.
Trouve cette fille et récupère ta carte bancaire avant qu'elle et sa copine ne s'achètent tout le pays. Oh, attends, tu veux que j'aille dans un restaurant pour chercher une fille? Waouh. Oui, waouh. C'est tout ce que tu trouves à dire, toi? Waouh. Oh, Sadé. Quoi? Ma puce. Quoi? Je viens d'avoir une idée géniale. Pourquoi faire? Je vais aller voir un architecte pour qu'il me fasse un plan. Tu vas aller voir un architecte pour qu'il te fasse un plan? Je vais construire une maison. Je vais avoir une nouvelle boutique, changer ma garde-robe, une voiture, peut-être un avion. Pourquoi pas un jet privé? Je pense, oui. Wow. Je vais vivre dans le luxe. Dans le luxe. Grâce à l'argent de quelqu'un. L'argent de quelqu'un qui n'est pas le tien. Et tu n'as pas encore le code. J'aurai le code. J'aurai le code. Petite diablesse. Mais divine. Tes rêves sont validés. Tu sais, ouais. Tout ce que je veux, je peux l'obtenir. Mais madame, tu n'as pas encore le code. Que veux-tu dire? Je l'aurai. Oublie. Tous ces projets. Et grâce à... Tu dois être positive, ma grâce à l'argent de quelqu'un. Que tu n'as même pas. Oublie ça. Allô? Chica? Une seconde. D'accord. Quoi? Oui. OK. Ma puce, quoi? J'ai une idée. Pourquoi ne pas aller dans ce restaurant et chercher cet homme, le millionnaire? Quoi? Es-tu sérieuse? Mais je suis sérieuse. Ah. Comment comptes-tu le retrouver? Oh, ma puce, nous ne pouvons pas aller dans un restaurant et nous asseoir juste comme ça. Et tu sais que nous devons acheter du jus. Qui paiera pour ça? Ah, ce n'est pas cher. Nous dirons que nous cherchons qui? D'ailleurs, qu'est-ce qui te fait penser que nous le verrons là-bas, Sadé? Tu sais quoi? Pourquoi ne pas y aller? Se renseigner auprès des serveurs. Ils peuvent avoir son contact. Et à cause d'un plat de 5000, nous n'allons pas rater ce code. Et faire savoir au monde entier que nous cherchons un code. Oui. Il n'y a pas de honte à chercher ce code. Ce code que nous cherchons, et même s'ils savent que nous cherchons un code. Il n'y a pas de honte à ça. Mais, il viendra. D'ailleurs, pourquoi un homme riche comme lui me donnerait-il sa carte? À qui? À nous. Oui, nous, toi, moi. Sa carte. Et avec moi. Ok. Le souci est que je n'ai pas encore eu son code. Oui, le code. Tu as besoin de ce code, nous avons besoin de ce code, je sais que nous le voulons. J'en ai besoin tout comme toi, mais je pense que nous devons rester calmes, il va appeler. Ok, aucun souci, il nous a donné la carte et nous sommes toutes les deux concernées. Oui, où est la carte en question? La carte est là, elle est en sécurité, ne t'inquiète pas pour ça. D'accord, c'est avec toi, n'est-ce pas? Il a voulu me la donner, mais c'est à toi qu'il l'a donné, c'est compris. Pas grave. D'accord. C'est toi qui l'as. De toutes les façons, ma puce. Tu m'as trouvée en train de parler au téléphone. J'ai quelques petits trucs à faire. Et ça me prend vraiment la tête. Trop de travail et je suis désolée, à bout. Désolée, tu courage. Donc, tu vas m'accorder quelques minutes, d'accord? Bien sûr, c'est très simple. Je peux m'asseoir ainsi. Et tu peux écrire ton message. Pupus, tu peux partir? Je devrais... Vas-y. Wow. Mais tu peux t'échanger à ma présence, tu as l'habitude de le faire. Pourquoi c'est maintenant que tu voudrais que je sorte? Ce n'est pas ça. C'est juste que j'ai tellement de choses en tête maintenant et j'ai besoin de finir. Elle m'a donné un délai et je dois me rattraper. Je dois y aller. Oh, donc laisse-moi. Laisse-moi juste finir. D'accord, j'ai aussi ma chambre. Et c'est pas comme si je n'avais pas de chambre où rester. Alors si tu veux que je m'en aille, je m'en vais. Et c'est compris, ma puce. Et tu n'as pas besoin d'un service de nettoyage. Je peux t'aider à nettoyer ta chambre. Non, ça va aller, merci. D'accord. Ça va aller. Pas de problème, c'est compris. Je te verrai plus tard, d'accord? Je suis dans ma chambre. Et
tu sais qu'il n'a pas perdu ton contact? Pourquoi dis-tu ça? Parce qu'il n'a pas appelé. Je suis inquiète. Et toi aussi. C'est vrai. Mais... je ne sais pas. Je ne sais pas. Si... rien ne se passe et quand je serai fatiguée d'attendre, je ferai quelque chose. Et tu veux dire que tu iras au restaurant? Oh, désolée, nous irons au restaurant. Je ne sais pas. Je ferai céder, je ferai quelque chose. Aucun problème. Où vas-tu? Je vais chez mon petit ami. D'accord. D'accord. Ma puce, puis-je avoir les clés de ta voiture? Non. Tu étais déjà sur le point de sortir, non? D'accord, c'est compris. S'il te plaît. Je vais le chercher pour toi, viens sortir. Va. Je vais le chercher. Pars. Tu es méchante. N'êtes-vous pas la dame que j'ai rencontrée l'autre jour? Oui, je le suis. C'est moi, avec Jenny. C'est super. Écoutez, j'ai perdu la carte de visite qu'elle m'a donnée. Hey. Vous savez, c'est la troisième fois que je reviens ici. Je commence à avoir l'air ridicule devant le personnel du restaurant. Nous attendions également votre appel, monsieur. Vous comprenez? Oui. Vous avez son numéro? Oh, évidemment, monsieur. Oh, permettez que je vous le donne. Permettez, s'il vous plaît, je l'enregistre. D'accord. C'est génial. Permettez que je vous aide. D'accord. Merci infiniment. C'est fait. Oh, super, merci. Je vous en prie. Permettez que je vous donne quelque chose pour le dérangement, d'accord? Oh, vous n'avez pas à vous refaire, vous n'avez pas à vous... Votre compte bancaire. Oh, 2-1-6-8, 9-8-5-6. D'accord, oui. Quelle banque? Banque locale. Viti. Oui, d'accord. Monsieur. Shadé et Morgane. Oui, monsieur. Super. Oui, monsieur. C'est déjà fait. Merci, monsieur. Merci à vous. 100 000 100 000, ma puce! Allô? Oh, Chika, oui. Tu y as les réserves? Merci infiniment. Et toi? Ça va? D'où viens-tu? Mais je t'ai dit que j'allais chez mon petit ami, non? Ok. Que fais-tu? La cuisine. Que cuisines-tu? Les spaghettis. En fait, je n'ai pas vraiment faim. J'ai mangé du poulet et de la salade chez Jude. Je vois. De toute façon, je ne cuisinais pas pour... Et que veux-tu dire? Pas, je ne cuisine pas ça pour nous deux, hein? Oh, pupus, je dois prendre cet appel, ok? Je vais. Allô? Oui, bonsoir. Appel. Allô? C'est Monsieur Kay à l'appareil. Allô, Monsieur Kay. J'attendais votre appel. J'ai perdu votre numéro. Je l'ai deviné. Mais votre amie me l'a donné. Oui, elle me l'a dit. Comment vous allez? Je vais bien. Je m'attendais à ce que vous m'envoyiez le code de votre carte bancaire. Ah oui, c'est vrai, je le fais à l'instant. D'accord, monsieur. Vous êtes sur le point de dormir? Monsieur? Non, je faisais de l'exercice. Et j'ai besoin d'un bain frais. Vous voyez, je viens de terminer de m'exercer, je prends une pause. Vous faites de la musculation? Oh oui, je me maintiens en forme. Je le fais. D'accord, vous savez quoi? Je vous rappellerai plus tard demain dans la soirée sûrement. D'accord, monsieur. J'attendrai avec patience. D'accord. Prenez soin de vous. Mais, monsieur, pouvez-vous me faire, vous savez, une bise? Ah oui? Vous
entendu? Je l'ai reçu, c'était chaud. Je dois rejoindre ma famille maintenant, à plus. Ok, à plus chérie. Hey! Une grosse prise. Jadé. Bonsoir, mon cœur. Salut, bébé. Ah, tu es ravissante. Merci. Leur as-tu donné le pot de vin? Non, si ça doit se faire, alors c'est à Abuja que ça se fera. Pourquoi poses-tu la question? Tu es content? Oui, je suis retourné voir ma famille. j'ai besoin d'un bain froid. D'accord. Mm-hmm. Permets-moi de venir t'aider. D'accord. Hey, jam. Hey, tu peux imaginer? Imagine des mots doux. Genre, tu es le sucre de mon café, tous ces mots drôles. Wow. J'étais du genre, quand cela a commencé. Hey, peut-être qu'il va faire ça demain, qui sait? D'accord, et tu ne veux pas l'épouser? Pas sûr, je veux dire, c'est un homme bien et il est cool, il fera un bon mari, mais je ne pense pas qu'il est fait pour moi. Il est trop ennuyé. Ah. Et quoi de neuf? Le monsieur a-t-il appelé? Qui? Oh, non. Non. Il n'a pas encore appelé. Ça alors, qu'allons-nous faire maintenant avec la carte? Je ne sais pas. Mais où se trouve-t-elle actuellement? La carte? Avec moi, je l'ai gardée. Et où ça? Eh bien, en sécurité. Eh bien, j'espère juste que... Je suis en sécurité. Elle est en sécurité. D'accord. Je pensais... S'il te plaît, une minute. Hé, hey, mon sucre. Arrête. Comment tu vas? Je vais bien. Et toi? Très bien. Ah, que fais-tu? Je suis allongée sur mon lit. Et toi, que fais-tu? Je suis aussi au lit. Et ma femme dort. Oh, d'accord. Tu n'as apparemment encore fait aucun retrait dans le compte. Oh, oui. J'étais trop occupée, en fait. M'occuper à faire quoi? Le travail. J'ai une boutique en ligne et je vends des vêtements féminins. Oh, c'est bien. Dis-moi, que portes-tu? Une culotte et un t-shirt. C'est bien. Veux-tu jouer à la romance par vidéo? Pardon? Ah oui, je dois te voir. J'ai envie de te voir. Tu sais, tu es magnifique. Chérie, il n'y a pas de lumière et le générateur est en panne, donc... Tu comprends, parlons-en au téléphone. D'accord. Alors, dis-moi, comment voudrais-tu procéder? Tu sais, fais-moi juste perdre la tête avec des mots. Eh bien, je vais te dire. La première fois que je t'ai vu, j'ai été embarrassé, ébloui, émerveillé, confus, déboussolé. Je suis immédiatement tombé sous ton charme. Je veux dire, ta poitrine magnifique. Oh, arrête. Tu me souriais.
Je veux dire, mes yeux se sont immédiatement portés sur ta poitrine. Je suis un homme, bien sûr, mais... Et tu sais, tu as une très belle poitrine. Et j'adore la silhouette de ton corps, un très joli corps. Tu sais, tu as de très belles fesses. Très belles paires de fesses. Aussi magnifique, j'ai juste envie de perdre. Je ne vais pas le rendre excitant parce que, tu sais, je ne voudrais pas réveiller ma femme, alors passe une bonne nuit, ok? Suffit. Ah. Mais attends, tu as été au téléphone toute la nuit? Ah, mais non, juste quelques minutes. Et avant que tu ne rentres, il était parti. Mmh. D'accord. Alors, qui est ce Big Lucy? Lucy. C'est ma deuxième, quatrième cousine. Ah, Lucy, c'est... je pensais t'avoir parlé d'elle avant. Non. Ah, la même Lucy. Jamais mentionnée. Et qui a une fille? Et celle-là, ce n'est pas la petite, c'est la grande. Non. Peut-être que ça m'a échappé. Cette chose arrive. Alors, tu flirtais avec ta cousine? Tu écoutais? Eh bien, comment écouterais-tu mes conversations? Sadé, pourquoi tu mens? Non, sérieux, pourquoi tu mens? La voix que j'ai entendue était la voix d'un homme. Mais pourquoi dis-tu que je mens? La voix de Lucy, elle a une voix assez grave, c'est pourquoi. Pourquoi dis-tu que je mens, hein? Ai-je l'air d'une menteuse? Je n'aime pas ça, arrête ça. D'accord, alors, ta cousine, Sadé, es-tu lesbienne? Ah, moi, lesbienne. Oh, parce que, devrais-tu flirter avec ta cousine au téléphone? Je ne... C'était trop intime. Moi, une lesbienne, moi qui suis vieille, je ne sais même pas. Écoute, elle essayait juste, j'essayais juste de l'aider à... lui apprendre à séduire. Elle a un stage à faire. Et c'est pourquoi. Mmh. Attends. Flirté, toi aussi. Attends. Ne fais plus ça. Ce n'est pas juste. Peu importe. Peu importe aussi. À te voir. Et te maquiller comme ça. Où vas-tu? Je sors. Ah. D'accord. Pupus, quelles sont les nouvelles? Quelles nouvelles? Notre carte. Quelle notre carte? Ah, mais la carte de Monsieur Kay. Pupus, ne parlons plus de cette carte jusqu'à ce qu'on obtienne le code. N'en parlons plus. Mais nous pouvons l'utiliser en ligne. En ligne? Oui. Oui, mais ce n'est pas ta carte. Hein? Ce n'est pas ta carte. Mais nous l'a donnée. Très bien. Ce n'est pas la mienne. C'est pas grave. Alors, où es-tu exactement? Je suis prête et je t'attends. Oh, juste pour ton information, tu me fais attendre. Nous sortons ensemble? Non. Pourquoi? Tu sembles habillée pour une sortie. Je veux rendre visite à ma sœur. Le chauffeur est en route. Ah, d'accord. Mes salutations à elle. Y a-t-il un souci? Tu ne m'as pas dit que tu m'aimais depuis longtemps. Ah, eh bien, il y a mille et une manières de le dire. Oui. Je commence par dire je t'aime. Je t'aime. Mon adorable épouse. Je t'aime aussi. Ce soir. D'accord, prends soin de toi.
Quel est ton problème? Salut, ma puce. Oh, comment tu vas? Oh, je suis épuisée, boulot. Désolée. Trop de boulot. Je serai toujours occupée cette semaine. Mais tu vas me payer la taxe. Hein? 10%. Ah, tu ne me payeras pas de taxe. Service du trésor. Moi, service du trésor. Hein? C'est moi que tu traites ainsi? Ce n'est pas juste. Juste pour 100 000 que je t'ai demandé, tu me traites de ton nom. Tu dis? Tu sais, j'ai réfléchi à ce que tu as dit ce matin. À propos de quoi? À propos d'utiliser la carte en ligne. Tu vois, maintenant tu raisonnes, faisons ça, faisons-le. Je pense que nous avons besoin du cash et je ne veux pas attendre 2 à 3 semaines avant que les choses ne viennent à nous. Jean, ce n'est pas une bonne idée, je ne le pense pas. Nous devons utiliser cette carte, nous devons le faire sagement. Il nous a donné cette carte et il ne nous a pas dit quoi faire avec. Nous pouvons faire tout ce que nous voulons avec. Je sais, ce n'est pas une bonne idée. Écoute... J'ai pensé à me rendre à son bureau. Tu vas aller à son bureau. Utilisons cette carte pour acheter des choses en ligne. Et tu parlais de... Tu t'écoutes parler? Oui, j'y ai pensé. Mais je vais me rendre à son bureau ou quelque chose comme ça. Je vais être déçue, je sais, je sais. Exactement. Je sais quoi faire. Quoi? Qu'est-ce que se passe-t-il avec cette affaire? Je suis sûr que tu connais tous les risques. Tu dois le prendre vraiment très au sérieux avant que cela ne nous échappe des doigts. Tu vas bien? Hmm? Tout va bien? Ah oui, oui, je vais dire que je vais mesurer ça une fois à la maison. Tu vois, écoute, j'ai entendu dire qu'il y a une compétition. Et certains partenaires essaieront de prendre le dessus sur nous. Je n'ai jamais su qu'il y avait une compétition. Je le sais. Tu es sûr de n'avoir aucun souci? Ah, non, pas du tout. Mais sûr. Oh oui. Bon, écoute, je dois y aller. Hé, qu'en est-il des filles? Les as-tu revues? Oh oui. Comme? Et c'est ça le souci. Je laissais ma carte et n'ai encore dépensé aucun centime. Je ne connais aucune femme qui aurait la carte bancaire d'un homme entre les mains et n'aurait pas fait le tour des boutiques. C'est terrible. Ce ne sont pas toutes les femmes qui sont matérialistes. Mais il n'a fait aucune dépense. Rien. Non, tu sais ce que je pense. Et là, quoi donc? C'est d'attirer ton attention. Je sais pas.
De toute façon, je l'espère. Elle... Pourquoi ne pas chercher son adresse? Elle doit toujours s'offrir ce qu'elle veut. C'est la raison pour laquelle je l'ai approchée. C'est pourquoi je lui donne ma carte. D'accord. Je me rendrai chez lui. Tu te rendras où? Mais chez lui? As-tu le palu? Je pense... Le monsieur est un homme marié. Tu vas te rendre à son bureau. Non. Et chez lui, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je trouverai un moyen. Jean, il ne saura pas que je suis là. Seulement quand il sortira, quand il le fera, j'irai tant le voir. Il ne me verra pas et je me tiendrai juste à distance. Oh mon Dieu. C'est un bon plan, n'est-ce pas? Non, c'est un mauvais plan. Comment? J'ai l'impression que tes boulons ne sont pas en place. Tu veux détruire son mariage? Comment? Écoute, personne ne me verra. Personne. En fait, oublions toutes ces choses. Oublions tout cela. Détruisons juste cette carte. Nous ne pouvons pas le poursuivre. Combien y a-t-il même dans ce compte? Nous ne pouvons pas le poursuivre. Oublions cela. Ah, et oui. Nous devons oublier la carte. Oui. Juste comme ça. Tu as changé d'avis. Comme ça. Nous ne pouvons pas poursuivre le monsieur. Nous sommes aussi de grandes filles, là. Nous ne pouvons pas. Grandes. Hey. Mais ma puce, nous avons besoin du cash, du cash. Mais tu travailles, non? Tu travailles, quel est le problème? Je... Moi qui suis sans emploi, je ne le dis pas. Donc, oublions cela. Nous n'avons pas besoin. Dieu, le Seigneur pourvoira nos besoins. Ah. Où est-elle mise, cette carte? Que fais-tu dans ma chambre? Les moustiques. Hein? Hein? Que fais-tu ici? J'ai vu un moustique là, je suis venue prendre ma brosse. Tu ne me l'as pas donnée la dernière fois, donc je suis venue la chercher. Oui, le paquet sera prêt d'ici jeudi. Oui, tout est ok, nous. Oui. Entrez. D'ici jeudi, si ce n'est pas le cas. Salut, Jenny. Quoi de neuf, ma belle? D'accord. Oui, je te rappelle. Oh. Comment tu vas? Je vais bien, et toi, ça va? Hein? Je vais bien. J'ai pas eu de tes nouvelles. Je te comprends pas. Je t'appelle, mais tu ne décroches pas à mes appels. Tu m'as appelé? Ouais, je t'appelle, ma belle. Oh, je suis désolée, c'est à cause de ces trucs que je dois faire. Trop de travail. J'étais sous pression. Honnêtement, j'étais submergée. Oh, c'est épuisant. T'es sérieuse? Comment tu vas? Alors, je viens de te voir, je me demandais ce qu'a ma petite amie. Trop de travail. J'étais sous pression. Honnêtement, j'étais submergée. Attends une minute, là. C'est comme si tu agis comme si tu m'évitais. T'évitais? Comment? Ouais, je comprends pas. On sort presque jamais, on se voit presque jamais. Même quand je t'appelle, tu prends pas mes appels. Et maintenant, je suis là. Bon, ne nous prenons pas trop la tête, ok? D'accord. Allons chercher de quoi manger. Ou encore mieux, allons voir un film. Ah, non. Nous ne pouvons pas faire ça. Regarde l'heure qu'il est. Oh, et tu m'as entendu au téléphone, n'est-ce pas? J'ai tellement de trucs à faire. En fait, je suis occupée aujourd'hui, demain, et je dois... Tu m'as entendu jeudi, pas vrai? Donc, je dois le faire. Écoute, mon agenda est saturé. Je ne pense pas que je pourrais sortir. Oui? Yo, Jen, c'est moi, Gilus. Pourquoi tu parles comme ça? Comment? Attends, mais qu'est-ce qui se passe? Ton agenda est saturé pour moi? Allez, ma belle. D'accord, tu veux sortir? Prends toute la maison avec toi. Pourquoi tu te comportes comme ça? Allez, voyons, ma belle. Jen... Non, mais... Je rêve où elle vient de partir. Putain. Non. Non. Non, je vais pas sortir. Jen? Non, tu peux pas faire ça. Salut. Salut.
est la carte? Où est la carte? Je vais t'étrangler. Où est la carte? Oh, où est la carte? Où est la carte? Je... Allô? Oui, oui. Oh, oui. Oui? Tu es perdue. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, je réfléchissais à quelque chose. Désolée. Oh. Passe une bonne nuit. Je dois aller. Bonne nuit. Jane, je suis désolé. Je sais pas pourquoi j'ai dit ceci, mais quoi que j'ai pu faire pour te mettre dans cette situation, as-tu oublié si vite? Ma chérie, j'étais là pour toi, j'étais là pour toi pendant tout ce temps. Ça suffit, ce n'est pas toi, c'est moi. J'ai l'impression qu'il se passe beaucoup de choses dans ma vie en ce moment. J'ai pas à t'impliquer là-dedans, désolé. J'ai tellement de choses à faire et je n'ai pas besoin que tu t'en occupes à l'heure. Il vaut mieux quand... Tu sais... Je sais quoi, éclaircis-moi bien, mais c'est... Oui. Est-ce que tu viens... Tu parles de séparer? Je n'en peux plus, écoute, nous sommes de deux mondes différents, hein? Ça ne marchera pas. Deux différents mondes? Écoute... Non mais yo, Jenny, sans toi, je peux pas vivre. Depuis toutes ces années, j'étais là pour toi. J'ai pris soin de toi quand personne voulait te donner un abri. Moi, je l'ai fait. Et maintenant, tu me dis qu'on est de deux mondes différents? Oh, oh putain... Tiens, je t'en prie, fais pas ça, ça je t'en prie. Ça suffit, ça suffit, ça suffit. Je t'aime. Relève-toi, relève-toi. Ne fais pas ça, tu es trop grand pour ça. Allez, allez, relève-toi, relève-toi. Relève-toi, non, 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 non. Je vais te dire ce qui va se passer. Hmm? Tu vas partir et je vais t'appeler. D'accord? Je dois partir? Mm-hmm. Je comprends pas, Ça devient vraiment tendu, là. Écoute, nous sommes tous les deux tendus. C'est trop tendu. Je pense que tu devrais partir, je vais t'appeler. Hmm? Et il y a trop d'énergie. Ici. Attends. C'est la énième fois que t'agis comme ça dans notre relation depuis toutes ces années. C'est la énième fois que tu fais ceci. Et maintenant, tu me demandes de partir. Tu me demandes de m'éloigner de toi. Et si jamais je le fais, je ne reviendrai pas. Je te le dis. Si tu viens supplier, je ne reviendrai plus dans ta vie. Alors, s'il te plaît, ne fais pas ça. Ne me fais pas sortir de cet endroit. Je t'en prie, ma chérie. Je t'en prie, ça dis-moi suffit, ce qu'il y a. D'accord. Pars juste, d'accord? Que je parte? C'est moi, Jay. Je sais. Putain. D'accord. Tu ne me reprendras plus. Qui te reprendra alors que j'ai des millions? Dans un compte qui attend que je les dépense et rendre ma vie meilleure, je devrais t'attendre.
Papa. Salut mes amours, alors, et comment vous allez? Bien, comment vas-tu papa? Je vais très bien, vous m'avez aussi manqué. Alors vous êtes bien amusée avec grand-mère, hein? Oui. Elle nous a fait un gros poulet. Un gros poulet? Chérie, vous avez mangé un gros poulet? Oui, grand-mère nous a fait un gros poulet. Elle s'est rassurée qu'on se régale. C'est génial. C'était la fête. C'est bien ça. Bébé, j'ai vu un car garé à côté du portail devant la maison. Ce n'est pas un problème, ça, ça va? Eh bien, c'est une remarque. Ce n'est pas juste. Écoute, chérie, tout véhicule qui entre dans ce domaine passe un contrôle de sécurité. Nous sommes en sécurité. D'accord. Les enfants, dans Allez-y. La chambre, dans vos chambres. Partez avec votre mère. À plus, les enfants. D'accord, chérie. Allons-y, allons dans vos chambres. Je suis sûre que vous êtes très fatiguée, là. Donc, allez faire une petite sieste, d'accord? Ma puce, quoi de neuf? Je suis là. Tu as vu Jen? Et pourquoi me demander si je la cherche? Je demande si tu l'as vue. Et quelle est cette question? Merci. Tu la cherches? Je la vois. Salut, ma puce. Je sais, ça fait un bail. Ne te fâche pas, ne te fâche pas. As-tu vu Jen? Non? Oh. D'accord, aucun problème. Nous viendrons te rendre visite, je suis sûre qu'elle s'est arrêtée chez un ami ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. Aucun problème. Bye! Allô? Peux-tu imaginer? Hein? Regarde un bus défectueux garé devant la maison. Hein? Il n'y a rien d'étrange là à l'intérieur, c'est juste garé là. Pourquoi le garer ici? Un bus défectueux. Là j'avoue, c'est vraiment étrange.
Mon cœur. Viens, on y va, je sais que le propriétaire viendra le récupérer quand il sera prêt. Ah ah, pourquoi garer celui-ci ici, pourquoi? Tu t'inquiètes trop, allons-y. Viens. Le propriétaire viendra le récupérer quand il sera prêt. Allons-y. Ah, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, au juste. Ce n'est pas normal. Tu t'inquiètes trop. Mais que faites-vous ici? Kobe a laissé la pâte dentifrice tomber dans les toilettes. C'est elle qui m'a frappé en premier. C'est bon. Maman va obtenir une autre pâte dentifrice. Maintenant, levez-vous, allons-y. C'est pour ça que vous êtes tous les deux assis ici. D'accord, j'apporte la pâte. Qu'est-ce que... Allô, Jimmy? Jimmy, j'ai besoin que tu viennes tout de suite me dégager un bus défectueux. Maintenant. Je ne sais pas l'idiot qui l'a garé là devant avec des roues percées. S'il te plaît, j'ai besoin de toi tout de suite. Viens me le dégager maintenant. Va le jeter dans la mer, dans l'eau, peu importe. Dégage-le juste du portail tout de suite. Tout de suite. La pâte dentifrice. Salut, bébé. Tu vas bien? Veux-tu ton petit-déj maintenant? Disons, dans 10 minutes. Alors, que voudrais-tu pour le petit-déjeuner? Tu connais mon préféré. Oui. Des œufs. D'accord. Alors, je le ferai pour toi. J'adorerais. D'accord. Donne-moi juste une minute. Je reviens tout de suite, bébé. Oh. Jimmy. Madame. Comment vas-tu? Je vais bien. Donc, s'il te plaît, voici le véhicule. Alors, dégage-le d'ici tout de suite. Où devons-nous le conduire? N'importe où, même si c'est dans l'eau, allez le jeter. Allez, juste le jeter quelque part. Prenez-le et allez le jeter quelque part. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci, mec. On y va. Maintenant. Allez le jeter. Vas-y, mec. Allez, allez. Très bien. Madame, à plus tard. D'accord. Merci. De rien.
Au diable as-tu dit que tu étais? Hein? Au diable! Je te parle, non? S'il te plaît. Laisse-moi tranquille. Je devrais te laisser seule. Comment? J'étais morte d'inquiétude. J'ai appelé toutes tes amies. J'étais sur le point d'aller au poste de police. Merci. Je suis là maintenant. Et Dieu merci. As-tu faim? Oui, s'il te plaît. J'ai besoin de quelque chose de chaud. Mmh. Puis-je avoir du thé? S'il te plaît. Mais puis-je avoir du thé? Je ne sais même pas d'où tu viens. Mais tu me diras où tu es parti. D'où tu viens? Cet endroit où tu es parti qui te rend épuisé aussi. Et tu viens là et tu me dis que tu es épuisé. Épuisé à faire quoi? Jen, le repas est prêt. Et c'est en bas, ok? Jen, je suis désolée. C'était... Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je suis désolée. C'était le diable. Je suis désolée. Tu me montres le genre d'ami que tu es. Alors, c'est pour ça que tu fouillais ma chambre. Hein? Cette amitié est terminée. Je voulais juste aider, non? Je voulais vérifier s'il y a l'argent dedans. Je voulais t'aider, j'essayais de faire ça pour nous. Comment tu peux dire une telle chose comme ça? Hein? Alors c'est pour ça que tu allais dans ma chambre pour fouiller cette carte? Moi? Cupide. Moi? Très cupide. Ce n'est pas moi, j'ai juste... Tu sais, quand je suis venue dans ta chambre, mon regard s'est tourné vers le lit, j'ai vu la carte, je l'ai pris. Et je suis allée vérifier pour toi, mais la carte était bloquée. Que viens-tu de dire? Je... Que viens-tu de dire? Alors, tu veux dire que tu avais le code tout ce temps? Monsieur Kay m'a remis le code. De quoi est-ce que tu parles? Même Kay. Quand je suis sortie, écoute, je ne suis pas partie le chercher. Je jure devant Dieu, je ne suis pas allée le chercher. Je l'ai vu par hasard, il m'a remis le code. Alors, c'est la personne à qui tu parlais? Tu as le code depuis tout ce temps, Sadie? Mais j'ai oublié. Sadie, pourquoi? Mais j'ai oublié de te dire, je suis amnésique, tu le sais. Quoi? Mais qu'est-ce que... Je suis désolée, Écoute, d'accord. Bien, je te donne le numéro, j'ai le numéro ici. Hein? Tu as son numéro? Je t'ai dit que je l'ai rencontré par hasard. Il m'a donné son numéro. Je vais te le donner. Désolée, non? Allô? Bonsoir. C'est Jenny Morgan, la dame que vous avez rencontrée au restaurant avec son ami. Jenny Morgan du restaurant? La même Jenny avec qui j'ai parlé? J'ai peur que non. La personne à qui vous parliez n'est pas la vraie Jenny Morgan. Vous parliez à son amie, celle que vous avez rencontrée de nouveau. Je ne comprends pas.
Oui. Je peux couper l'appel si vous voulez. Voulez-vous que je fasse arrêter votre ami pour imposture? Non, pas la peine, je veux juste... J'arrive juste pas à croire qu'elle puisse faire ça. Comment vous allez? On peut se voir. Je comprends que ceci est... C'est un peu compliqué, voyant que vous êtes chez vous avec votre famille et j'appelle à 7h. Très bien, je vais... Oui, c'est vrai, je vous enverrai l'adresse et l'heure du rendez-vous. D'accord. D'accord, merci. Je vous en prie, à plus. Au revoir. Etienne, tu sors? Et tu vas le rencontrer? Ah. Jane! Mais qu'est-ce que tu es ravissante. Merci. Tu me rappelles la beauté que j'ai rendue. Je n'arrive pas à croire que j'ai été amoureux de la mauvaise personne depuis tout ce temps. Ton ami a très bien joué le jeu. Je suis vraiment désolée pour ça. Je le suis vraiment. Eh bien, j'ai essayé tant bien que mal de t'avoir. Je présume que la carte a été volée ou perdue. Et j'ai dû faire quelque chose de fou pour attirer ton attention. Quelque chose de fou? Oui. J'ai pris un bus, j'ai percé les roues et j'ai campé devant ta maison. En souhaitant que peut-être tu sortiras et je crierai « Hey chérie, je suis là !» C'est étrange, je sais. Alors c'était toi, dans le bus? Oui, c'est moi. Ah, vraiment? C'était vraiment osé. Mais personne n'a jamais pris de tels risques pour moi, de toute ma vie. Vraiment? Vraiment. Merci. Je t'en prie. Mais c'est signifiant, ça. C'est juste que... Oh oui, ta carte. Ah. Mon amie a dit qu'elle a essayé de l'utiliser et ça n'a pas fonctionné. Oh, vraiment? Oui. Waouh. Je vais me renseigner à la banque. Mais je pense que c'est déjà bloqué. Ouais. Ça semble étrange. Mais bon, bref... Ta copine m'a dit que tu vends des vêtements de femmes en ligne au... Ah, d'accord. J'ai une boutique en ligne. Mais je rêve d'ouvrir et d'étendre une boutique physique. Tu vois? Alors, genre, Jenny boutique. Ça sonne en fait bien. Ah, je suis ravie. Alors, as-tu un plan pour l'étendre? C'est un rêve. Pas de finances. Alors, pourquoi ne pas faire un business plan, d'accord? Et je le financerai volontiers. Es-tu sérieux? Bien sûr. Tu ne... Je n'ai jamais été aussi sérieux de toute ma vie. Tu ne plaisantes pas. Tu ne vas pas disparaître. Disparaître? Impossible. D'accord, je... Je porte un toast à Jenny Boutique. Merci. Je t'en prie. Oh, d'accord, je... Je te permets de m'embrasser. Écoute, je me rassurerai que tu puisses ouvrir ta boutique, ok? J'espère que tu l'as rencontré. Ah.
Et Jane, l'as-tu vu? Ah, waouh. Mais je lui ai pourtant donné le numéro. Si je ne l'avais pas fait, tu n'aurais pas porté cette robe pour aller le voir. Peux-tu croire ça? Peux-tu croire ça? Cette stupide banque, je vais leur montrer. Ils ont bloqué ma carte. Bloqué! Incroyable. Je n'ai pas fait de requête pour qu'elle soit bloquée. Hein? Je n'ai même pas été notifié par mail. Je vais leur porter plainte. Tu as essayé de l'utiliser à 20h? Non, j'ai un dîner d'affaires avec un associé et je n'ai malheureusement pas pu payer. Oh, honnêtement. Ok. Me dis-tu la vérité? Attends, mais que veux-tu dire par là? Parce que je sais. Je sais absolument tout ce qui se passait. Que sais-tu? Je t'ai vu. Je t'ai vu donner la carte bancaire à cette stupide fille au restaurant. J'ai fait semblant d'aller aux toilettes parce que je ne pouvais pas supporter te voir distrait.
par elle. Je t'ai observé. Tu es allé à leur table et tu lui as donné ta carte. Elle t'a donné la sienne. J'ai retiré la carte de ta poche. Oui. Je t'ai vu te glisser dans la chambre d'amis pour faire des appels avec elle. J'ai écouté. J'ai été confuse quand j'ai vu la même fille entrer dans le bus garé devant notre maison. J'ai appelé Jim pour la jeter dehors. J'ai demandé à ce que la carte soit bloquée. Oui. Kay, tu lui as donné notre compte commun à cette stupide fille pour dépenser. Comment as-tu pu? Oh, wow. Alors tu m'espionnais? Alors comme ça tu as abandonné ton rôle de mère pour t'immiscer dans ma vie? Oui. Oui, tout ça. J'étais là quand tu es quitté d'un simple servant à un homme riche. J'ai apporté de la lumière dans ta vie sombre. Je suis la mère de tes enfants. Comment as-tu pu laisser cette espèce de stupide fille affamée t'ensorceler avec son corps et vouloir te prendre tout ce que nous avons construit? Comment as-tu pu, Kay? Comment as-tu pu? Tu sais quoi? Tu vois, ce mariage, c'est terminé. J'en ai ma claque. Que fais-tu, Ujo? S'il te plaît, qu'est-ce que tu fais? Je fais ce qui est mieux. Je m'en vais avec les enfants. Non, chérie, je t'en supplie, s'il te plaît, ne fais pas ça. Laisse-moi tranquille. Ne fais pas ça. Tu sais ce que je deviens quand je suis en colère. Je t'en supplie, s'il te plaît. Pardonne-moi. Je ne sais pas ce que je faisais. Tu n'as pas perdu ta valeur dans mon cœur, pas du tout. Je ne sais pas pourquoi j'ai donné ma carte à cette fille. Je vais la reprendre. Hein? S'il te plaît, ne t'en va pas. Laisse-moi juste partir. Va la prendre en tant que ta deuxième épouse. Non. Laisse-moi tranquille. J'en ai marre. Laisse-moi tranquille. Je ne peux pas te laisser abandonner tout ce qu'on a construit ensemble. Je ne peux pas. Ça n'arrivera plus. S'en supplie, je t'en prie. Toi, moi, les enfants, tout, absolument tout, je n'ai pas eu seul. Je te promets, mon amour, tu es la seule personne dans mon cœur. Je n'aurai plus jamais rien à foutre avec cette fille, ça, je te le promets. Bien. Regarde, avec ça, je renouvelle mes vœux pour toi. Oh, Dieu, je renouvelle. Tu es la seule personne dans mon cœur. Je n'ai rien à faire avec cette fille. Je te le promets, je ne reverrai plus jamais cette fille, plus jamais. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le twi, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram Aforevo Dobbing, sur notre site web www.aforevodobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code
plus 234 si vous êtes à l'extérieur. Aforez-vous, le guichet unique pour tout divertissement.